hold the sharp hand, pretty deep there, and he shows them pearly white, just a jackknife as McHeat there, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth there, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though, where's McHeat there? So there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river. A cement bag drooping down, and the cement's full. The weight, dear, that you back here. Je savais qu'ils étaient mes ennemis, mais eux ne le savaient pas. Ils s'aiment entre eux, ils se serrent les coudes. Mais s'ils pouvaient deviner la plus infime partie de la vérité, ils m'auraient battu. Je leur exposais ma conception du héros noir. Un anarchiste, résuma Le Mercier. Non, dis-je doucement. Les anarchistes aiment les hommes à leur façon. Alors ce serait un détraqué. Mais Massé, qui avait des lettres, intervint à ce moment. Je le connais, votre type, me dit-il. Il s'appelle Erostrat. Il voulait devenir illustre, et il n'a rien trouvé de mieux que de brûler le temple d'Éphèse, une des sept merveilles du monde. Et comment s'appelait l'architecte de ce temple? Je ne me rappelle plus. Vraiment. Et vous vous rappelez le nom d'Erostrat? Vous voyez qu'il n'a pas fait un si mauvais calcul. Thank you.
Me revoilà dans ma tanière. Je n'allume pas la lumière. J'ai peur de voir mon ombre, de voir mon corps frêle et si petit, de sentir mon slip sale, mes pieds pas lavés, mes ongles noirs. Et cette sueur de ce corps imberbe sans poils qui se glisse comme un ver de terre dans les draps glacés de la nuit. C'est vrai, je suis toujours tout seul. Moi aussi, un jour, au terme de ma sombre vie, j'exploserai, illuminerai le monde d'une flamme violente et brève comme un éclair de magnésium. Il m'arriva vers cette époque de faire plusieurs nuits le même rêve. J'étais un anarchiste, je m'étais placé sur le passage du Tsar et je portais sur moi une machine infernale. À l'heure dite, le cortège passait, la bombe éclatait et nous sautions en l'air. Moi, le tsar et trois officiers chamarrés d'or sous les yeux de la foule. D'autres nuits, le rêve commençait de la même façon, mais se transformait en cauchemar. C'était moi qui étais la bombe, et c'était moi qui explosais avec ma chair qui se déchiquetait et arrosait la foule qui riait parce qu'en disant je n'étais qu'une pauvre petite bombe, une petite bombe minable, avec peu de sang, avec peu de poils et avec peu de force. Je me réveillais en sueur et je ne savais plus quoi faire. Il fallait faire quelque chose, il fallait prendre une décision. Pieds et poings liés. Pourquoi suis-je venu voir ce chiromancier ? Je suis fou. Non. Je veux savoir si mon destin est celui d'Hérostrate, si les cartes disent la même chose que le livre. Le livre de Sartre m'obsède, me poursuit comme une douleur lancinante dans le crâne, comme quelqu'un qui a regardé trop longtemps le soleil. Les mots, les lettres, bourdonnent dans ma cervelle comme un essaim de mouches empoisonnées. Les lignes de la main ne mentent pas. Elles disent que ce sorcier à tête de reptile psalmodie. On ne défie pas son destin impunément. On ne peut pas fuir ce qui est écrit dans les étoiles. Il est fou ce mec. Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi il ne me laisse pas tranquille ? Moi je veux pas dépenser. Je veux pas vraiment tout savoir. Je ne veux pas. Il m'hypnotise. Il me regarde. Je n'arrive pas à respirer. Il est en train de m'oppresser. Ses mots tombent comme les lettres du livre de Sartre qui m'obsède, qui me poursuit. Comme une douleur lancinante dans le crâne, comme quelqu'un qui a regardé trop longtemps le soleil. Les mots, les lettres bourdonnent dans ma cervelle, comme un essaim de mouches empoisonnées. Deux fois les cartes disent que je ne peux fuir. Je suis un assassin. Je divague.
ce n'est pas moi qui pense cela. Je perds ma propre personnalité. C'est l'autre qui soigne tes horreurs. Voilà. Il faut que je résiste. Je n'entends plus ce qu'il dit. Que je me bloque. Je n'entends plus ces mots. Il faut que je parte. Je ne pense à rien. Il faut que j'aille. Je ne pense à rien. Je ne pense pas. Je suis un raté. Non. Je ne suis rien. 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 J'ai des affreuses visions, voilà. Oui, oui, patron, oui. Comment ? Oui, d'accord, oui, oui. Mais vous connaissez l'adresse ? Allez chez le médecin ? Non, oui. Chez le psychiatre ? Oui, l'adresse ? Oui, d'accord, je vais noter. Un moment, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui? L'adresse, le... monsieur... C'est monsieur Lacan? Oui? 3 avenue du Maine. Oui? Oui? Oui, je sais où c'est, monsieur le patron. Oui, je vous tiens au courant, oui. Oui. Oui, je m'excuse. Oui, j'y vais demain. Oui, oui. Oui. Merci, monsieur le patron, merci. Oui. Oui, merci, au revoir. Papa?
Un rouge, s'il vous plaît. Vous avez quelque chose à remettre pour monsieur Costa? Tout va beaucoup mieux depuis que je me suis acheté un revolver. On se sent fort quand on porte assidûment sur soi une de ces choses qui peuvent exploser et faire du bruit. On se promène tous les deux, le revolver et moi, sur les boulevards. Alors, tu viens, mon gros pigeon ? Je le sens qui pend, tire sur mon pantalon comme un crabe. Je le sens contre ma cuisse, tout froid. Peu à peu, il se réchauffe au contact de ma cuisse. C'est 500 francs, mon beau, hein. Et pour toi, c'est pas cher, parce qu'avec la gueule que tu as,
Et puis tu sais, ici, il faut cracher d'avance, hein, parce que c'est pas la confiance qui règne ici. Hein? Alors, viens. Mon mignon, alors tu craches ton pognon, alors donne quoi? Il y a un gros béco. Ils habitent toi. Bah, dis donc. Et toi, tu les habites pas? Bah, va, t'occupe pas de moi. Bah, dis. Alors, tu restes à faire parce qu'il travaille, hein, salopard, hein? Hein, fainéant. Ça t'excite, hein? Ça te plaît? Bah, promène-toi. Si je veux. Et si je veux pas marcher, qu'est-ce que tu ferais? Dans le monde partout. Tu ne vois pas plus, hein? Monsieur, là. Viens, je marche, viens. Alors, ça fait? Ça fait qu'on m'a entendu? Ça fait qui? Regarde-moi. Alors, on peut plus jouir? Tu joues dans ta culotte, maintenant? T'as pas qu'on touche? Mais dis donc! Pardon! Thank you.
On désire le tuer, c'est lui comment? J'ai eu des rêves. Et dans mes rêves, je tuais une prostituée, un voyou. Les choses se sont précisées hier. Il y a quelqu'un qui a laissé un papier pour moi avec un pistolet dedans. Une accusation rapide? Vous voyez dans vos rêves que l'on résume? Oui. Et non, l'acceptation de son corps. À quel âge avez-vous quitté votre famille? J'ai toujours vécu avec mes parents. Dans la même chambre. J'avais 24 ans. Quand ils sont morts des rayons de oui, c'est ça. Alors, je suis venu en France. Maintenant, je vis seul. Bon, je vous accorde un autre problème. C'est pas grave. Votre seul problème, c'est votre nature inconsciente. Mon ami, à la fin de toi. Allez. Vous n'avez plus la tête. Vous mettez vos fesses. Et vous les mettez ici. Les mains ici. Et vous tirez. Mais il y a aussi autre chose. Depuis que j'ai lu un livre écrit par M. Sartre qui s'intitule comme moi, Érostrate. Alors je rêve que ce personnage, c'est vraiment moi. Alors je ne sais plus où j'en suis. J'ai peur de m'endormir. Paranoïa, avec dédoublement de la personnalité et l'identification. Appelez-moi votre nom. Érostrate. Et êtes-vous attiré par votre rêve? Non. Je me rappelle, c'est lourd. Je suis pas sûr. L'érotisme. Moi, je trouve que ce rôle vous va comme un gant. Vous devenez quelqu'un de passionnant. Mais non, docteur. C'est tout à fait l'inverse.
Moi, je ne veux pas être ce personnage. Je ne suis pas pour sadique. Oui, j'aime mon travail. Et j'ai peur de devenir vraiment fou, fou, dangereux. Tout cas, ton cas m'intéresse. Tu vas quitter ton travail pour 6 mois. Je vais te faire rétribuer par la faculté de médecine. On t'enferme pendant ce temps-là, comme ça tu n'auras pas lutté contre tes rêves. Ouais. Le complexe d'Hérostratus vécu par Hérostratus lui-même. Vous savez que votre cas, etc. Vous allez vivre des moments extraordinaires. Mais docteur, je veux guérir. Je veux sortir de ce cauchemar. Vous connaîtrez aucun. C'est là votre unique occasion de sortir de la banalité, de participer au progrès social. Il faut que vous acceptiez votre complexe, même si vous en souffrez. Écoute, mon vieux, ton complexe, c'est l'affaire en or. Je vais d'abord faire une thèse de doctorat là-dessus, et tu prends un livre, d'accord. Action. Tu seras le complexe de Dieu. Côté du nombre. C'est la mer. Pour la mer. On fait claquer la famille. On fait claquer les vidéos. Moi, je suis sûr que des milliers de gens s'identifieront à ce nouveau complexe. L'anti-héros devient roi. Et on élève le ratage. Au rang des vertus. Dis-moi, monsieur, qu'est-ce que tu fais là-dedans? T'as mon petit intérêt, fuyez-moi. Sinon, je te dénonce, allez. À l'asile. Et en cabane. Demain. M'agresse. Mais ça ne se passe pas comme dans le livre. Il n'est pas gros. Il n'a pas la nuque rouge. Il ne faut pas que je tire. Non, pas 3 balles dans le ventre. Je dois courir. Une troupe derrière la porte. Je les entends souffler, frapper. Ils me prennent, ils vont me battre, me casser les dents. Il n'y a pas d'issue. Si, le trou des chiottes.
Je n'ose plus dormir chez moi à cause des rêves. J'ai peur de fermer les yeux. Les images reviennent. J'ai jeté mes papiers. Je ne veux plus m'appeler Rostrat. Je n'ai pas de nom. Les clodos, les amnésiques n'ont pas de nom. Les morts non plus d'ailleurs. Thank you.
Ma mère m'a fait cette robe et ce masque pour que les hommes ne me désirent plus. J'en ai eu marre. J'ai voulu me tuer. Tu sais, la personne qui te fait du mal et qui t'a transformé ta vie en enfer, c'est ta mère, et non un homme. Elle était jalouse de ta beauté, de ta jeunesse. Tu mens, tu mens. Ma mère est bonne. Et d'ailleurs, c'est louche, c'est louche. Tu m'as recueilli. Même si j'étais une vieille femme, tu m'as quand même recueilli. Et tu es un homme.
Je pars. Non, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Tu dois rester. Tu dois m'écouter. Tu n'as pas. Tu n'es pas la seule. Monte. Tu n'as pas d'être mort. Je suis, je suis. Hanté par le désir de tuer. Je pars. Je pars. Je pars. Je cherche l'anonymat, la banalité. J'ai peur aussi bien de la lumière que du noir. J'ai bien peur d'avoir raté mon ratage. Le destin des rostrates me pousse dans un cul-de-sac. Je ne me sens pas de force à affronter mes alter-ego venus du passé et du futur.
des pétards et des bombes. Moi aussi, un jour au terme de ma sombre vie, j'exploserai et j'illuminerai le monde d'une flamme violente et brève comme un éclair fait de mes angoisses, de mes tripes et surtout de la haine que je porte à ma misérable personne.